Kinshasa, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Veuillez vous asseoir. Excellences, Monsieur l'Ambassadeur de Sa Majesté le Roi des Belges et Madame, Excellences, Monsieur le représentant du chef de l'État, Éminence, Monseigneur le Secrétaire de l'Annonciature, représentant Son Excellence Monseigneur Ordonnance Apostolique, Excellences et honorables invités, chacun en sa fonction et avec ce titre. Waarde landgenoten, chers compatriotes, chers frères et sœurs. Il m'est un honneur et une joie à la célébration religieuse organisée
par le comité de Deo à l'occasion de la fête de Sa Majesté le roi des Belges. Ce monde d'aujourd'hui revêt une solennité particulière. En effet, le 15 novembre 1915, que les citoyens belges résidant à Kinshasa ont organisé pour la première fois un Te Deum dans cette église. Depuis lors, elle a eu lieu sans discontinuité au même endroit et à la même date. Les dernières années, la cérémonie s'est amplifiée par le nombre largement croissant qui partage notre joie de célébrer la fête du roi et de prier pour lui et pour la famille royale. Le comité Te Deum se réjouit de voir tant de personnalités congolaises participer à cette cérémonie. La présence nombreuse de Belges et de Congolais manifeste les liens vitaux qui se sont tissés entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Comment nombreux les Congolais et les Congolaises qui ont fait des études universitaires en Belgique et qui ont gardé un lien amical avec notre pays. Une cordiale bienvenue à toutes les personnes qui ont répondu à l'invitation du comité Te Deum. La célébration religieuse à laquelle vous êtes invités à participer est une action de grâce pour tout ce que le Seigneur a fait pour le royaume de Belgique et pour Sa Majesté le roi Philippe depuis son accession au trône en 2013. Cette célébration est aussi une prière. L'amour et le courage dont elle a besoin pour l'accomplissement de la Belgique et du Congo. De l'acte sera fait par M. Hubert Katawa, curé de la paroisse. L'homélie sera faite par le révérend père Henri Lacquetu de la Compagnie de Jésus. La coupe que je vais boire et être baptisé du baptême.
Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de Belgique, Madame l'Ambassadrice, Monsieur le représentant du chef de l'État, Monseigneur, honorables députés et sénateurs, Messieurs et Mesdames du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs du gouvernement, chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, comme il y a 100 ans, le chant du Te Deum résonne dans cette église Sainte-Anne, première cathédrale, pour célébrer la fête du roi des Belges et de la dynastie. La prière du Te Deum est un chant de louange. C'est dire que le peuple belge rend grâce à Dieu de lui avoir donné un souverain dans lequel il se retrouve, qui fait son unité, sa fierté et sa cohésion. En priant pour le roi à l'Église, le peuple reconnaît implicitement l'existence d'une autorité supérieure au roi. Demande au Seigneur de protéger celui-ci, parce qu'il reconnaît que par Dieu, que celles qui existent sont établies en tant que telles par lui, les différentes formes de gouvernement et de régime politique. L'Église, le statut du roi et de l'autorité nous est présenté dans le récit synoptique des enfants de Zébédée s'adressant avec leur mère à Jésus pour lui demander les deux premières places dans leur réplique « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé. » Telle est en d'autres termes la condition pour être associé de près à l'autorité de celui qui règne dans le royaume du Christ, ainsi qu'à la passion et à la crucifixion. Machinalement, sans trop peser la gravité de ces conditions, les deux disciples répondent « Nous le pouvons. » Dire « Si ce que vous demandez va de pair avec ce que vous, si ce que nous demandons, nous acceptons l'un et l'autre. » Ils espéraient ainsi que le Seigneur allait exaucer leur cœur. Mais ils sont étonnés d'entendre Jésus leur répliquer, « Alors je vais être baptisé, vous serez baptisé. J'ai à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder, de la préparer. » Nous imaginons la déception des fils de Zébédée. Saint Matthieu nous dit, se mirent à s'indigner contre les fils de Zébédée, car tous espéraient ces deux places. C'est alors que Jésus les appela et leur dit, vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des nations
les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais Monsieur l'ambassadeur, Madame l'ambassadrice, Monseigneur, Messieurs, Mesdames du corps diplomatique, et distingués invités en vos titres et qualités, la bonne nouvelle de Jésus-Christ nous enseigne donc que le statut évangélique du roi et de l'autorité est le service du peuple. En se faisant le dernier, et l'esclave de tous, en donnant sa vie pour que le peuple vive dans l'unité, la paix, la justice et l'amour. En priant aujourd'hui pour le roi Philippe, belge, congolais, et les amis ici rassemblés, ont demandé au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, de bénir et de protéger le roi et la famille royale. Donnez au roi Philippe une longue vie, de le combler de l'esprit de sagesse et d'intelligence nécessaire à l'accomplissement harmonieux des hautes responsabilités qui sont les siennes. En union de cœur et d'esprit avec le roi Philippe, nous disons avec lui cette prière. Dieu de mes pères et Seigneur de tendresse, par ta parole, tu fis l'univers, tu formas l'homme par ta sagesse, pour qu'il domine sur les créatures, qu'il gouverne le monde avec justice et sainteté, qu'il rende avec droiture ses jugements. Donne-moi la sagesse assise près de toi. Ne me retranche pas du nombre de tes fils. Je suis ton serviteur, le fils de ta servante, un homme frêle et qui dure peu, trop faible pour comprendre les préceptes et les lois. Le plus accompli des enfants des hommes, s'il lui manque la sagesse que tu donnes, sera compté pour rien. Or, la sagesse est avec toi, elle qui sait tes œuvres. Elle était là quand tu fis l'univers. Elle connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes décrets. Des cieux très saints, daigne l'envoyer, fais-la descendre du trône de ta gloire, qu'elle travaille à mes côtés et m'apprenne ce qui te plaît, car elle sait tout, comprend tout, guidera mes actes avec prudence, me gardera par sa gloire. Amen.
uitnodiging tot hoop mogen zijn. Laten wij bidden. Tegenover de huidige moeilijkheden mogen inspireren. Laten wij bidden. Des violences aveugles. Que les forces de paix soient plus fortes dans le cœur des hommes et dans les relations internationales. Prions le Seigneur. Monseigneur Jozef de Kezel, mogen de Heer zijn ministerie zegenen en hem attent houden op al de medewerkingen die tussen onze twee landen bestaan. Laat ons bidden. De recueillement avant la prière solennelle à l'intention du roi. Laten wij bidden. God, aan wie alle macht en waardigheid onderworpen is, verleen aan uw dienaar, onze koning Filip, een voorspoedige regeerperiode. Geef dat hij u daarin steeds zou eerbiedigen en u voortdurend zou trachten te behagen. Dit vragen wij u vertrouwvol door Christus onze Heer. Prière pour le roi. Tu es la source de tout pouvoir et de toute dignité. Accorde à ton serviteur, notre roi Philippe, un règne prospère et paisible. Donne-lui la sagesse et l'amour pour œuvrer sans cesse pour le bien-être de son peuple. Donne-lui ton esprit pour qu'il soit toujours attentif à ta volonté et qu'il te plaise en toutes choses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On lit là, il s'ouvre par une intonation solennelle, Oyamakaboyayo, pour tout ce que nous avons reçu de toi. Suit le refrain, Enzambe Totonoyo, nous te rendons grâce au notre Dieu. Les trois premiers couplets explicitent ce pourquoi nous rendons grâce. Concrètement, c'est Dieu qui nous donne de vivre aujourd'hui cette fête. Les deux derniers couplets sont une prière que nous rythmerons par le répond des litanies. Tokobon de Layo, nous te supplions,
Yoke la Kabisongolu, montre-nous ta miséricorde. Nous prions pour que Dieu nous garde de tout mal, nous, le roi et nos pays. Le chant se termine par des mots de confiance. Naïvité de Yokisinga insonité, je sais que tu ne me décevras pas. Chantons Enzambe Totonoyo. Enzambe Totonoyo, Totonoyo. Ambassadeur de Sa Majesté le Roi des Belges et Madame, Excellence Monsieur le représentant du chef de l'État, Éminence, Monseigneur le Secrétaire de la Nonciature, représentant Son Excellence Monseigneur le Nonce Apostolique, Excellence et honorables invités, Warde Landgenote, chers compatriotes, chers frères et sœurs, ensemble, nous avons prié le Tout-Puissant, auteur de tout bienfait, pour qu'il bénisse notre souverain, Sa Majesté, le roi Philippe. Nous avons exprimé notre gratitude pour toutes les grâces reçues. Nous avons présenté notre supplication et nous sommes sûrs qu'elle sera exaucée. Nous remercions Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur du Royaume de Belgique et Madame d'avoir participé à cette cérémonie religieuse. Nous remercions Monsieur le Curé de nous avoir accueillis dans sa majestueuse église, une des plus anciennes de Kinshasa. Nous remercions les confrères
qui sont joints à notre liturgie. Nous remercions la chorale qui a donné un ton solennel à notre célébration. Et vous tous qui êtes venus nombreux, nous vous remercions vivement pour votre présence et pour la ferveur avec laquelle vous avez participé à ce moment de prière. Nous invitons respectueusement Son Éminence, archevêque de Kinshasa, à bien vouloir clôturer la cérémonie et donner la bénédiction finale. Après la bénédiction, il y aura les hymnes nationaux. Ensuite, pour la sortie, il y aura le chant du psaume de la création et un cantique en l'honneur de la Sainte Vierge Marie. Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Excellences, mesdames et messieurs les ministres, honorables membres de l'Assemblée nationale et du Sénat,
Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, chers compatriotes de l'Anstock, chers amis de la Belgique et de la Monarchie, c'est avec beaucoup d'émotion et d'honneur que je m'adresse à vous une nouvelle fois à l'occasion de la fête du roi, marque la fin du centenaire de la célébration en cette belle église de Sainte-Anne du Tédéum, chantée chaque année depuis 1915, le 15 novembre, ou le 14 novembre, si le 15 est un dimanche, comme c'est le cas cette année. Permettez-moi de remercier non seulement tous les membres du comité du Tédéum et Mgr Maurice Pérouse, la chorale kilphonique, mais aussi toutes les personnes et nos nombreux et généreux sponsors. Leur travail, leur dévouement, leur attachement à la monarchie sont dignes d'éloge à tout égard. Que moi, en s'adressant aux autorités du pays, le roi saluant les nombreux compatriotes qui, à l'étranger, contribuent au rayonnement de notre pays. Vous êtes ici, chers compatriotes, des ambassadeurs de ce que représente la Belgique dans toute sa diversité généreuse. Best Landgenoten, vous êtes hier de vertiguïdes de ambassadeurs, vraiment de vrais livres de diversité, et c'est la Belgique que vous présentez donc chacun dans votre vie professionnelle et personnelle à Kinshasa. Demain matin, comme il est de tradition, je ferai parvenir au Palais Royal un message de félicitations à l'occasion de la fête du roi, message dont je vous donne lecture. À la Royale, mais s'inscrit dans une symbolique, une histoire et une vérité nationale. Certes, le roi, en tant que personne, est salué pour ses qualités humaines et ses vertus personnelles. L'élaboration du principe même de la monarchie constitutionnelle, la couronne étant à la fois le symbole du pouvoir, mais aussi celui d'un engagement constant au service de la nation, de la population, du respect des lois et des principes démocratiques. En la Belgique, que faire s'épanouir les qualités de chacun est notre responsabilité à tous. Une responsabilité que leur majesté le roi et la reine assument pleinement dans l'exercice de leur métier, le roi poursuivant son propos dans ce discours en mettant l'accent sur l'importance de tisser des liens entre toutes les composantes de la société, des liens entre tous les Belges. Propre à notre monarchie, que le roi encourage et favorise des rencontres, des discussions, des dialogues, qui s'inscrivent tous dans le respect du cadre constitutionnel et institutionnel de notre pays, le roi étant le garant